Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du boulier chinois, cet outil qui sert à calculer, c'est comme une calculatrice mais des temps beaucoup plus anciens. Je vous présente le mien ici avec quelques super plans de mon monteur. Alors j'ai rajouté une petite caméra ici pour que vous voyez bien, comme ça c'est plus clair. Ici vous avez donc les unités, ici vous avez les décimales, première décimale, deuxième décimale, troisième décimale, on peut pas aller plus loin que trois chiffres après la virgule. Enfin bon, c'est déjà pas mal, de toute façon généralement ça c'est pour compter, ils utilisent ça dans les magasins pour compter, ils vendent des kilos de patates ou des carottes ou des trucs comme ça, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Dans les décimales, ici donc les dizaines, les centaines, les milliers, les dix milliers, les cent milliers, les millions et ici donc les milliards. Et comment ça fonctionne donc ensuite avec cette logique donc de 5, 2 ici, ici on a les 5, d'accord? Ça c'est 5 par exemple, ici on a les unités, ça c'est 5 unités. Ici c'est 2 fois 5 unités, donc c'est une dizaine. Et comment ça fonctionne maintenant? Bah, tout simplement on va rajouter les unités en fonction des calculs que l'on doit faire. Souvent des additions ou des soustractions, on va commencer simple par des additions notamment. Et on rajoute à chaque fois le nouveau chiffre, le nouveau prix. Et on n'a jamais besoin de compter plus que 10 en fait, puisque tout est dans une base ici, donc de 2 x 5. Comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, je vais vous montrer un exemple. On va faire un calcul très simple, c'est-à-dire qu'on va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Et vous allez voir comment est-ce que ça se goupille. Donc on a 1, on met 1 ici, d'accord? Une unité. On rajoute 2, on se retrouve avec 3 unités, d'accord? On rajoute 3, 1, 2, ici on a 5, du coup on met 5 et 3. Donc ici on a bien 5 plus 1, ça fait 6. Vous faire le calcul avec une calculatrice si vous avez besoin. On rajoute 4, ici, on a encore 5 qui sont rajoutés. Et donc vous pouvez regarder, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. On a bien ça. Donc ensuite on rajoute 5, on rajoute 6, on rajoute 7. Ici regardez comment ça fonctionne. On rajoute 8, alors ici on pourrait très bien rajouter comme ça 1, 2, rabaisser ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien alors 8 c'est combien? Bah, c'est 10. Moins 2, tout simplement. On rajoute 9. 9, c'est combien? C'est 10. Moins 1. Et ici, on se retrouve avec combien? Putain, je me suis couré à première vue. 10. Moins 1. Ça faisait 55 ici. Je la refais sans parler pour vous montrer un petit peu le résultat que ça va nous donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez regarder un petit peu, vous repasser ce petit segment ici et me dire où est-ce que je m'étais trompé dans le premier cas de figure, j'avais oublié un 10 et voir que le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, ça fait 55. Le compte est bon. 5 ici dizaines, 5 ici unités. Et vous pouvez continuer en rajoutant plus 11, plus 12, plus 13, etc. jusqu'à par exemple plus 50 pour vous entraîner tout simplement à la pratique et vérifier votre résultat avec ce que vous devriez obtenir. C'est un très bon exercice notamment pour apprendre les additions. Voilà, l'idée de cette vidéo était venue après un reportage qu'on m'avait transmis et puis il y a beaucoup de gens qui me posaient la question justement de dire voilà, ma mère a toujours voulu m'expliquer comment ça fonctionnait le boulier. Vous voyez qu'au final c'est pas très très simple. Il suffit juste de prendre cette habitude, de voir quand on arrive à 5 ici, on en descend une ici. Quand on arrive à 10 ici, on le passe ici. Et le tour est joué. Le boulier au final c'est très simple et on peut faire des calculs très compliqués, des additions très complexes. Après vous pouvez essayer d'autres choses, hein. Moi Louis on s'amuse à faire par exemple, je sais pas moi, 1987 plus 3771 ça fait combien? Et trouver très rapidement les résultats. Ensuite dans un second temps vous pouvez faire les soustractions. Amusez-vous bien, si ça vous intéresse le boulier je vous mets le lien de celui-ci dans la description. Et si ça vous plaît, si vous avez des questions pour aller un petit peu plus loin, laissez-moi un commentaire. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, j'espère que ça vous a été utile, bye bye.